Et tout ça, c'est la bordellerie. Vous allez assumer la bordellerie là. Vous allez border, et puis on vous dit que vous allez border, ça vous énerve. Hein? Le SDP, le syndicat des putes. Vous êtes les putes, on vous dit que vous êtes les putes, ça vous énerve. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Flore de Lille avait dit que tout ça, c'est la bordellerie. Tout ça, c'est la bordellerie. Laissez ce que vous racontez là. Vous voulez nous dire que quoi? Hein? Vous croyez que vous êtes différent des filles qui sont en mini-fem? C'est la même chose. Tout ça, c'est la bordellerie. Envoyez le cœur. Il y a les bordels qui sont que siens, le direct. Envoyez le cœur. Il y a les filles du SDP. Il y a les filles du SDP qui siens, le direct. Le syndicat des putes veut signer le direct. Envoyez le cœur. Voilà. Ouais. Elles font partie du SDP, le syndicat des putes. La chanson là est sucrée à moi jusqu'à... Je ne peux même pas connaître. Hein? Elles vont trop se reconnaître. Donc voilà la terrasse. Moi, j'étais juste le direct comme ça pour vous montrer la nouvelle terrasse du Boisvemont. Voilà. VIP. Vin, liqueur, champagne. Envoyez les cœurs. Le SDP veut signer les directs. Le syndicat des bordels. Il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas les bordels. Hein. Vous qui êtes les bordels, là, assumez. Quand vous faites la bordellerie, assumez la bordellerie là. Ne vous cachez pas. Nous, on fume le champ, on assume. Assumez la prostitution que vous faites. Oui. La bordellerie déguisée sur Internet. Oh, influenceuse. Oh, coach. Oh, blogueuse. La bordellerie déguisée. La prostitution déguisée. Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Tu me l'as fait, madame. Tu n'es pas différent d'une fille de mini-femme. Ah oui. Donc les gars, la terrasse est déjà là. En cours de téléchargement. Terrasse d'en haut, Boisvemont. VIP, que du sale. Ouverture 22 décembre. Tu connais ce qui va se passer, mon frère. Tu connais ce qui doit se passer, mon frère. Hein? Voilà. Demain, il y a un fils qui dit qu'elle te voit en tête, donne les ordres là-bas. Hein? Elle vous salue. Quand vous faites de la bordellerie là. Vous avez peur? Vous avez encore peur? On va vous appeler par vos vrais noms. Vous croyez que c'est parce que vous avez mis les habits chinois, vous venez vous asseoir sur Internet, vous dites que vous faites les directs, que vous êtes influenceuse, blogueuse. Tout ça, c'est la bordellerie. Flore de Lille a dit que tout ça, c'est la bordellerie. Vous allez accepter. Oui. Tout ça, c'est la bordellerie. Et ma TikTokeuse, et ma blogueuse, et ma Facebookeuse. Tout ça. Tout ça, c'est la bordellerie. Arrêtez-nous ça. Comment vont les enfants? Hey, arrêtez. Vous êtes même fou. Donc aujourd'hui, vous venez nous apprendre que vous êtes là comme ça, vous n'avez pas de métier, vous n'avez pas de revenus déclarés. Que vous voyez acheter les chaussures, vous voyez à Dubaï, la bordellerie, arrêtez ça. Hein? Quand tu vois qu'il y a les fous qui viennent défendre, vous voulez défendre de quoi? Hein? Vous voulez défendre de quoi? Qu'on ne sait pas ce que vous faites, parce qu'on ne dit pas. Maintenant, on va dire. Ça a changé, c'est comme ça, c'est la mitrailleuse maintenant, ça sort seulement. La bordelle qui est fâchée, elle passe à se suicider. Hein? Vous croyez que c'est vous qui avez inventé ça? Aujourd'hui, vous avez changé les noms de ça. Oh, et ma TikTokeuse, et ma blogueuse, et ma coach, et ma influenceuse. Vous influencez quoi, vos bangalas? Hein? Tout ça, c'est la bordellerie. Moi, je vous dis, c'est la prostitution. Il faut dire la vérité à vos petites soeurs. Les vendeuses de piments comme ça. Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Hein? Il faut dire la vérité à vos petites soeurs. Ta petite soeur te voit tous les jours, quoi que tu sors travailler. Alors que tu vas vendre le piment, tu rentres bien dire aussi que oh, machin, on a les enfants. Jusqu'à quand on parle sur Facebook, je vois les mères d'enfants s'élever discuter. Les mères d'enfants. La terrasse du Boisvemont qui est en cours de téléchargement. Le 22, on fait du sale ici. Hey, t'es malade. Ouais. Je te dis, je vois les mères. Hein?
Les mères d'enfants sur un canal défendent la prostitution, ce n'est pas possible. Les hommes qui sont dans la maison devaient même s'inquiéter. Les hommes qui vivent avec elle devaient s'inquiéter. Comment ta femme peut défendre la prostitution sur Internet, bec et ongles? Tu comprends que quelque part, ta femme là n'est pas simple. Les mères d'enfants ne se cachent pas avec les vrais profils, les vrais visages. On voit leur famille. Les enfants sont en âge de lire ce qu'elles mettent sur Internet. Elles sont là et défendent la prostitution. Elles citent des prostituées comme exemple et modèle de la société. Arrêtez vos choses là. Oh, arrêtez ça. Hein. De l'enquête. Tout ça, c'est la bordellerie. Et bah TikTokeuse, et bah blogueuse, et bah Facebookeuse. Bordel. Ça, c'est le bordel. On connaît ce que vous faites. Hein? On connaît ce que vous faites à Dubaï. Avec les pères des gens, avec les maris des gens. On sait ce que vous faites à Dubaï. Arrêtez ça. Avec les pères des gens. On connaît ce que vous faites à Dubaï. Partout. Hein? On connaît que oh, j'ai acheté le iPhone 13. Tu as l'argent? Tu peux acheter le iPhone 13? Wanda. Toi, tu travailles où? Bordel. Toi, tu travailles quand? Oh, j'ai acheté la voiture de 60 millions. Toi, tu travailles 60 millions quand? Bordel. Tu veux nous dire, hey, arrêtez ça. Donc, on est fou. Tu connais 80 millions? Oh, j'ai acheté le sac de. Hé, hey, arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai acheté les voitures, j'ai acheté. Tu achètes la voiture de 50 millions, tu travailles où? Tu veux manquer à nos petits, c'est pourquoi? Tu travailles où, bordel? Arrêtez ça. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous travaillez où? Vous travaillez où? Quels sont vos revenus? Expliquez, vous payez les impôts de combien dans ce pays, bandit? Ouais. Le boivement. En temps réel, vous voyez la vue, non? La nuit, alors, c'est la magie. Oui, Kamga Tinda, on est là. Les bordels veulent nous montrer. Eh, hey, si on laisse l'affaire là, je vois que le SDP là va finir par devenir un parti national, un parti représenté à l'Assemblée nationale. Hein? Parce que là, je vois que vous êtes en train de prendre une ampleur là sur Facebook. Je ne sais pas ce qui vous manque. Vous les bandes de bordels là, je ne sais pas ce qui vous trompe. Je crois que si on laisse l'affaire là, vous allez même devenir un parti représenté à l'Assemblée nationale. Hein? Hey. Oui, que vous influencez qui? Vous avez déjà influencé qui dans le bon sens? Après envoyer nos petites soeurs se prostituer, vous avez déjà influencé qui dans le bon sens? Arrêtez ça! Après envoyer nos petites soeurs faire la prostitution, hein? Vous marchez à l'indepso, vous faites. Arrêtez ça! Hein? On parle, vous venez babader sur Internet jusqu'à vous monter même vos visages. Les choses qu'avant, on devait même se cacher pour parler. Avant, les bordels se cachaient. Aujourd'hui, ce que les bordels se mettent sur Internet, ce sont les nouveaux noms. Oh, TikTokers, oh, Facebookers, oh, blogueuses. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Tu ouvres sur les pages, on vend les mèches, on vend les cils, on vend l'huile. Vous vendez quelle huile? Tu peux donner la composition de l'huile? L'huile que tu vends là, tu peux donner la composition? Hein? Jusqu'à quand on voit la bordellerie que vous faites, vous voulez faire, vous voulez parler fort? Hein? Oh, arrête de me filmer. Ouais, je suis mes bons petits. Tous, c'est les dans le travail, ils sont là. C'est ça, je les apprends à être des hommes, des vrais hommes. Qui n'aillent pas faire la bordellerie, qui n'aillent pas faire l'homosexualité. C'est mon travail. J'apprends à mes petits à être des hommes forts. Oui, il travaille le mental tous les jours pour qu'il n'aille pas faire la prostitution, la bordellerie, devenir l'indepso. Il les apprend le travail. Il ne sait pas ce que vous voulez sur Internet, vous voulez apprendre aux gens. Il ne sait pas ce que vous voulez apprendre aux gens, mais moi, je vais vous dire ça. Laissez ça. Oh, il y a ceci, c'est 50 millions. Tu as travaillé 50 millions quand? Tu connais comment tu travailles 100 millions? Bande de bordel. Arrêtez ça. Oui, je vous dis ça, ouah. La bordelle qui veut se fâche. Celle qui se sent mauvaise se mouche. Hein? Nos petites soeurs veulent aller à l'école. Vous les empêchez de réfléchir. Vous les empêchez de voir l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, les exemples, ce ne sont plus les écrivains. Ce ne sont plus des femmes qui font des grandes choses, des physiciennes, des professeurs, des femmes d'affaires, des militaires. Non, c'est les femmes qui ont les salons de coiffure. Arrêtez ça. Hein? Oui, il faut vous méfier. Donc maintenant, c'est une histoire que les exemples des femmes dans notre société sont plus les Africains, les avocates, les grandes dames.
C'est maintenant vous. Exemple de femmes qui ont réussi, j'ai l'onglet, mes fiers, moi les tocards, comme ça vous voulez mentir aux petites soeurs. Jusqu'à quand on parle, vous venez sur internet parler aussi fort. Hein? On parle, vous venez sur internet parler fort. Vous dites que les exemples de réussite, ça ne va plus être les grandes dames, les femmes d'affaires, les milliardaires, les femmes qui font des actions positives. C'est maintenant vous les exemples. Que oh, j'ai l'onglerie. Tu poses les ongles de combien pour acheter la voiture de 90 millions? Arrête ça, hein? Bordel. Comme on est fou là. Il a son gros cul, tu comprends, non? Comme, dit là, comme tu me peux m'appeler en direct, ton gros cul. Appelle-moi encore. Tu veux bloquer mon direct? Tu veux toi me parler? Tu veux me parler de quoi? N'est-ce pas, quand vous êtes dans le pays ici, quand il faut faire les choses sérieuses, vous n'appelez pas les gens qui sont sérieux. Vous appelez les bordels, vous mettez devant, non? Quand je suis en train de faire mon direct, tu m'appelles pour me dire quoi? Ne m'appelle plus. N'est-ce pas, quand il y a un truc sérieux, vous mettez les bordels devant. C'est vos amis, non? C'est avec elles que vous marchez maintenant, non? Hein? Après, quand on veut défendre une petite cause dans ce pays, hein, vous plaignez. Oh, les gars, si ne parlent pas, les gens ne parlent pas. On va parler comment? Vous avez donné tout le pouvoir au bordel. C'est vous qui avez donné tout le pouvoir au bordel. On va parler comment? Les bordels vont donc parler. Mais on va vous dire que vous êtes d'abord les bordels. Qu'on ne vous mentez pas. Oh, oh, j'ai un salon de coiffure, j'ai ajouté 100 millions. Tu connais combien de terres il faut coiffer pour avoir la voiture de 100 millions? Il faut arrêter ça, hein? Vous empêchez nos soeurs de réfléchir. Vous êtes un frein pour la société. Et vous dites ça aujourd'hui. Vous empêchez les pays de réfléchir. Les menteuses comme ça. Oh, je suis allé voyager. Je suis en machin. Tu connais comment perdre le billet d'avion? Tu connais comment perdre le billet d'avion? Tous les gens vous voient dans les hôtels, les grands lits. Vous dormez sur le lit trois places seules. On est les enfants. La personne qui vous filme, on ne voit jamais la personne qui vous filme. On voit seulement comment vous prenez des posters. En tout cas, moi, je vous ai dit, hein. Vous connaissez, non? Vous connaissez quand même, moi, ça tape sec, c'est la mitrailleuse. Je vais tirer, on fusille en désordre. Après, les collègues, bordel, vous allez venir ramasser les corps de vos collègues. Ah bon, Isaac Kam arrive, non? Ils connaissent, non? Isaac Kam, chaque bordel va prendre pour son grade de rang. Calmez-vous. Et pas que vous allez même m'exciter, hein? Chaque bordel va en prendre pour son grade dans l'album Isaac Kam. Comme c'est vous, comment on va vous laisser maintenant le cosi, on part. On parle que la position n'est pas bien. Vous dites que c'est bien. Vous êtes même fou. Vous amenez quoi aux gens? On dit que la position n'est pas bien, vous dites que c'est bien. Parce que vous mettez sur internet un visage découvert. Avec les enfants en âge de lire et comprendre ce que vous dites. Vous dites que la position est bien. Mais vous êtes dans un pays de tocards, de fous même déjà. Qu'est-ce qui vous arrive même? Hein? Vous êtes devenu un pays de malades. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire là? Nos grands ont construit le pays ici parce qu'ils avaient des exemples de réussite forts. Aujourd'hui, nos exemples de réussite, c'est quoi? L'onglerie? Le salon de coiffure? Arrêtez ça, hein? C'est ça les exemples de réussite. Même moi-même qui suis ici, je ne me cite pas un exemple de réussite. Je ne me cite pas un exemple de réussite. On va donner des exemples plus high, plus forts que nous, à nos petits frères, à nos enfants. Que demain, quand ils regardent comme ça, ils disent que non. Les parents sont montés des exemples forts. C'est ça qu'on doit atteindre. Eux-mêmes, ils voulaient atteindre ça, ça les a dépassés. Mais nous-mêmes, on doit atteindre ça. Vous avez limité vos vies. Vous bloquez le cerveau de vos enfants. Vous encouragez la prostitution jusqu'à quand on est en train de parler. Vous venez défendre ça sur Internet. Ça va te dépasser. On a goudronné quand route avec l'argent de la bordellerie. On a conçu une école avec l'argent de la bordellerie où? Fichez le camp avec ça. Oui? Là, c'est votre problème. Continuez. Hein? L'iPhone 13 est en train de mourir. On va acheter bientôt l'iPhone 14. Apprêtez-vous. Les fesses vont chauffer. Ça va tiktoker fort. Ça doit influencer fort pendant la canne. Hein? Oui. Oui. Dimitri Bastien. On est déjà dans un pays où tu dis que oh, la prostitution n'est pas bien, on te dit que c'est bien. Jusqu'à on veut te prouver ça par A plus B, que la prostitution est bien. Les femmes, c'est les femmes qui ont les enfants qui viennent parler ça. Quelle sorcellerie, quelle souillure. La prostitution est bien. Exemple, elle a réussi, non? Donc c'est ça la réussite pour vous? En 2021? Vraiment. Quand ils pensent que les gens sont morts pour le pays ici,
C'est pour me défendre déjà les choses aussi. Hein? Quelqu'un dit que dans ce cas, ne fait plus danser les filles nues dans ton clip. Une fille qui a décidé de danser nue, on l'a fait danser nue. Je donne le travail à tout le monde. Vous croyez qu'une fille qui décide de danser nue, on ne va pas lui donner le travail? Elle-même doit manger, non? Elle va manger. Mais ce n'est pas parce qu'elle danse nue qu'on va lui dire que c'est bien. On lui dit que ce n'est pas bien. Et si elle fait la prostitution, on lui dit que c'est la prostitution. Je ne lui dis pas que non. Tu es blogueuse, tu es influenceuse. Je ne mens à personne. Tu fais la prostitution, on t'accepte comme tel, mais on te dit quand même que c'est la prostitution. Si ça te vexe, va te suicider. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Quand un enfant vole, on lui dit que tu es un voleur. Ne lui dis pas qu'il s'est trompé. Il est un voleur. Quand un enfant ment, il est un menteur. Quand une fille se prostitue, elle est une prostituée. On lui dit ça. C'est comme ça. C'est toi en train de caresser les gens dans le sens du poil. Vous voulez changer les choses. Qu'ils a même se fait fou. D'abord, il a dit. Il n'y a que les vrais qui savent. Hein? Au boivement le 22. Réouverture du boivement le 22. Il n'y a que les vrais qui savent. Vous savez d'abord que la prostitution est interdite au boivement. Chose que vous faites là. Hein? Les gars, ils ne peuvent pas nous amener ça. Ils ne vont pas empêcher nos petites soeurs de rêver. Ils ne veulent pas, ils vont pas empêcher nos petites soeurs d'avoir des objectifs dans la vie. Hein? Jamais. Nos petits frères vont avoir des vrais objectifs dans la vie. Ils ne peuvent pas empêcher en leur vendant des rêves à 2 balles. Je m'en bats les couilles qu'elles ne parlent plus de moi, qu'on a marché et tout. Je n'ai pas besoin de leur publicité. Les bordels, je n'ai pas besoin de votre publicité. Allez vous faire foutre. Oui. Il paraît qu'on les paye même pour faire la publicité. Vous voulez même mentir à qui dans le pays ici, hein? Vous mentez à vous-même, hein? Vous mentez à vous-même. Moi, je vous dis ça. Vous mentez à vous-même. Quand toi, femme mariée avec des enfants grands qui te suivent sur Internet, c'est l'air, tu viens sur Internet défendre la prostitution, tu te mens à toi-même. Et tu maudis ta génération, ta progéniture seule. Ce n'est pas quelqu'un qui gâte tes enfants, c'est toi-même. Tu encourages la prostitution, tu gâtes tes enfants toi-même. Parce que eux-là, tu ne peux plus rien les faire pour eux. Mais tes enfants-là, continue à les encourager. Alors montrer les exemples de réussite que maman passe sur Internet à suivre. Quand papa tourne le dos, maman assis sur Internet dans le direct des bordels. On les apprend comment on doit vendre les fesses. Oh. On vous a dit, de toute façon c'est le 22, hein. Réouverture du boivement, ça va vite. Là on est en train de finir pour les derniers accessoires, terrasse d'en haut, avec vue sur le mont Elumdem. Oui. Ça existe, ça n'est pas qu'il y a un mont Elumdem. Il y a le mont Elumdem. C'est comme ça que nous on appelle ça. Hein? Ouais, mon gars. Elles ont déjà parlé ça, Martial. Martial, elles ont parlé ça. Jusqu'à ce que c'est normal. On va y aller que c'est comme ça. Et oui. Qu'on laisse le SDP là, le syndicat des putes, ça devient. Ça finit par devenir le. Ça finit par devenir un parti. Un parti représenté à l'Assemblée nationale. On ferme nos yeux, on ne doit pas parler. Oui, si tu parles, les bordels vont se fâcher. Moi, les bordels ont déjà changé quel pays. On a vu. On a dit que c'est la prostitution qui a construit les États-Unis. Allez au champ avec ça. Mais ils sont allés loin, petit frère. Philippe Béou, elles vont loin, hein. Quand j'entends qu'un homme a donné 50 millions à une fille, tu crois que c'est pourquoi? C'est seulement pour l'entente là. C'est la magie. Si on vous dit même ce que les gars font, vous allez même fier. Elles sont loin, petit frère. Mais il faut avoir le courage de dire à nos petites soeurs que ce que vous voyez là, ce n'est pas le résultat du travail. C'est le résultat des manigances obscures de la prostitution. Il faut avoir le cœur de leur dire ça. Je sais que quand je vais dire ça, c'est encore vous là qui allez venir me combattre parce que je dis à vos enfants que ce que vous voyez là, ce sont les manigances obscures de la prostitution. Mais quand je dis ça, ça vous énerve. Vous venez me combattre sur ma page parce qu'il ne faut pas que je dise ça à vos enfants. Je dois mentir à vos enfants et leur dire que non, c'est le travail. Quel travail? Quel travail qu'on fait en une semaine? Dans un salon de coiffure, on a 50 millions. Quel travail? On coiffe combien de têtes?
C'est seulement toute l'Union européenne que tu crois ça va. Ouais, le bordel. Arrêtez ça. Hein. Menteuse. quel travail, les gars, quel travail. Vrai, vrai. Quand tu vas dire ça, on va dire que, oh, non, ce n'est pas un bon gars. Est-ce que moi, je suis un bon gars? Je suis un mauvais gars. Mauvais. Je suis un mauvais gars. Ceux qui veulent le travail, si tu veux danser sans garçon, je te donne le travail là. Mais je te dis, il ne faut pas que quand tu vois ça, tu crois que c'est en qualité. Non. Hey. C'est vous qui allez acheter ça, le rêve qu'on vous vend là. Moi, je n'achète pas ça. Et voici mes petits frères qui sont en train de travailler ici là, et tous. Les voilà qui travaillent. Je leur dis qu'on n'achète pas le rêve là. Je ne vends pas le rêve aux petits frères. C'est la réalité. L'homme doit manger à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. C'est comme ça. Pareil pour la femme. Elle doit manger à la sueur de son front. C'est comme ça. La femme doit manger à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. Mais maintenant, celle qui mange à la sueur de ses fesses, elle doit être là. Elle doit avoir l'humilité de reconnaître que je mange à la sueur de mes fesses. Même en mentir aux enfants. Que j'ai ouvert le salon de coiffure en une semaine, j'ai acheté la voiture de 50 millions. Quand tu as fait comment? Tu as vendu quoi dans le salon de coiffure là? C'est les poils de Beyoncé que tu vendais là-bas. Faut nous arrêter ça. Vous connaissez à la date, 22 décembre, le boivement. Que du sale, que du sale. C'est lancé pour le 22, le 23, le 24, le 25. Le 30, le 31, c'est la guerre. Le boivement. Nouvelle terrasse, nouveaux espaces. On a grandi. Parce que c'était petit, il y avait trop de... On a grandi le boivement. Il n'y a plus moyen. C'est votre problème. Je vous ai dit que c'est à vous qu'on vend ça. C'est vous qui vous asseyez, vous suivez les directs là. Vous trompez vos enfants avec ça. Moi, je ne vous trompe pas. Je vous dis la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Vous allez me montrer au salon de coiffure quand nous allons faire une semaine à la voiture 100 millions là. Si ce n'est pas la bordellerie, la sorcellerie, vous nous apprendrez quoi? Hey! Vous ne dites pas, dites la vérité à vos enfants. Hein. Dites la vérité à vos enfants. Nous, on est gâtés, on ne peut plus rien pour nous. Mais vous pouvez dire, vous pouvez quand même dire la vérité. Moi, le truc, les gens viennent à visage découvert par aller sur Internet. Que non, comment tu peux dire ça? Une fille qui a fait ceci, une fille qui a fait quoi? Une société où on ne peut plus dire que non. Il y a les grandes dames dans l'armée. Il y a les grandes dames qui sont avocats, procureurs. On ne peut plus citer ces grandes dames en exemple. Les grandes dames qui font de grandes choses dans ces pays, on ne peut plus les citer en exemple. Aujourd'hui, dès que tu parles, on s'acharne sur toi pour te dire que non, laisse les prostituées faire un mouf. On laisse quoi? Arrêtez ça. Hein? Fichez le camp avec ça. Les petites bordels même en plus. Là où on choque la vraie bordellerie aux States, vous pouvez partir choquer là-bas. Vous pouvez choquer la vraie bordellerie aux États-Unis. Là où on choque. Là où les Kim Kardashian choquent. Vous pouvez choquer. Là où les Amber Rose choquent. Vous pouvez choquer là où les Zaya choquent. Vous venez choquer la bordellerie du franc CFA. Vous bavardez les évoques ici. Là, quand on parle, vous dites que je. Vous pouvez faire quoi? Fichez le camp avec ça. C'est le 22. Vous amène encore un peu dans la salle d'en bas. On est en train de faire l'habillage des murs. Ça, c'est une exclusivité. Hein? Je ne devais pas vous montrer ça. Oui. Voilà, ça, c'est la salle d'en bas, la salle club. Ça, c'est la salle qui va faire office de club. Dans le boivement, donc. Les gars, 22 décembre. Réouverture officielle, que du sale. Vous savez, hein, faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. C'est la sueur du front et non la sueur des fesses qui travaille ici. C'est la sueur du front, hein, Ivo? C'est la sueur du front qui travaille ici et non la sueur des fesses. Faut pas qu'on se mente. On va pas mentir aux petits frères, on va pas mentir aux petites sœurs. On vous dit la vérité. La vie est dure. Rien n'est facile. Battez-vous, allez à l'école. Battez-vous, ceux qui ne parlent plus à l'école, battez-vous dans l'honnêteté. Mais si tu as choisi le couloir, quand on te dit que tu es au couloir, calme-toi. Si tu as choisi le couloir, j'ai le couloir. Ne viens pas bavarder ici comme si tu étais dans autre chose. Si tu es un bordel, tu acceptes. Ceux qui se battent à l'école, c'est l'accepte aussi.
Chacun doit connaître sa position. Eh oui, c'est ça. M'en bats les couilles. Vous allez parler quoi là? Est-ce que moi je suis dans vos machins là? Et vous avez dit, est-ce que tu es dans vos trucs là? Vous allez accepter ça, oh, ah. Le syndicat des putes. Ou qui vous a mis après écrit jusqu'à vous venir sur internet bavarder dans les directs des gens? Oui. Étoile filante dit que c'est la jalousie. Je suis jaloux de celui qui a vendu ses fesses. Tu es malade. Je suis jaloux de quoi? Tout ce que j'ai travaillé, ne volé à personne. Ne pas baisser mon caleçon, comme certains. Oui. Tout ce que j'ai. Et c'est pour ça que Dieu, petit frère, que c'est dur. Ça a été dur. Et c'est encore très dur même. Il ne me vante pas pour ça. Il ne m'imba pas avec les grosses voitures, les gros trucs. Parce qu'il n'a encore rien. Il me bat, c'est dur. C'est très dur, petit frère. Qu'on ne vienne pas vous dire que 100 millions se gagnent comme ça. Qu'on ne vienne pas vous vendre la sorcellerie, petit frère. On vous dit que 100 millions comme ça, là. 500 millions. J'ai ouvert l'onglerie, hein. En une semaine, j'ai fait 500. On te manque, petit frère. On te manque. Petite soeur, on te manque. N'écoute pas ce que les bordels disent. Les bordels, c'est les menteuses. Oui. Petit, c'est le work qui paye. C'est le bara. Il faut bara. Il faut travailler. Et c'est les choses que oh, je reste à la maison. Tous les jours. Rien que pour faire le make-up, une femme doit s'asseoir au moins 2 heures. 2 heures. Tu te lèves le matin à 8 heures. Tu t'assois 2 heures pour faire le make-up. 2 heures pour t'habiller. Il est déjà midi. Hein? Tu me parles de quoi? Il est déjà midi. Le temps de sortir, faire tout ce qu'elle veut faire là. Elle sort à 13h de chez elle, 14h, 15h. Quelle femme sort de chez elle à 15h pour avoir l'argent? Pour avoir 50 millions en une semaine? Menteuse! Faut nous arrêter ça. Quelle femme? Quelle femme sort de chez elle à 15h chaque jour pour avoir l'argent? Avoir 50 millions en une semaine? Elle fait comment? Elle travaille quoi? Hein? On a vu nos papas, nos mamans sortir à 5h, 6h. Il y a même d'autres qui dorment au fundi. Pour avoir l'argent, pour nourrir leur famille. Mais vous nous parlez des choses que une femme se lève du matin, du lit à 9h, elle fait 3h de make-up, 6h d'habillement, machin, et elle a 10 millions à la semaine. Quelle, c'est qui? Qu'elle fait quoi? Qu'elle fait quoi? Et quand on entend que vous parlez ça, vous venez discuter avec moi sur Internet, que non, tu ne sais pas, c'est la jalousie. La jalousie de quoi? Chacun va choisir sa route, hein. Mais moi, je m'adresse aux gens qu'on entend les tromper. On leur dit que c'est la facilité. La vie n'est pas facile. La vie est dure. La vie est dure. Voici les hommes, les pères de famille qui travaillent ici. Parce que la vie est dure tous les jours. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Hein, vous, dis-le ça. La vraie magie, c'est tous les jours. Les pères, les hommes de famille, les parents, ils bossent. Pour qu'on vienne mentir à leurs enfants. Acheter les téléphones, on vient mentir à leurs enfants. Tous les jours. Oui. Mentir à leurs enfants. Pendant que leurs parents souffrent ici, on a qu'à leur mentir que non. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est s'asseoir à la maison. On vient te donner, tu manges. Ah bon, hein? Tu crois qu'on va te donner pour rien? Le diable donne pour rien. Hein? Le diable donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Vous croyez qu'on les donne les choses là pour rien? Hein, les gars? Le diable donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. On ne leur donne pas les choses là pour rien. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Je ne fais rien avec votre amour. Ceux qui disent qu'ils ne m'aiment pas là, qui disent qu'ils sont. Ceux qui sont sur le direct, qui disent qu'ils ne m'aiment pas là. Je ne fais rien avec votre amour, vos culs. Allez avec ça au champ. Ça me donne quoi? Quand quelqu'un a dit, transformez ça en orange money, vous fermez vos fesses avec, je m'en fous. Je me contente de ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est vos noyaux, je ne vous aime même pas. C'est comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Hein? Mais je vais vous dire ça. Quand tu as une bordel, assume ta place de la bordellerie et tu continues. C'est comme ça. Oui. Tu dis que ma musique pervertit la jeunesse. Tu es trop bête pour comprendre ma musique. Tu ne peux même pas comprendre ma musique. Tu es trop con pour comprendre ma musique. C'est pour ça que tu vends tes fesses. Parce que si tu pouvais comprendre ma musique, c'est que tu assises dans un bureau. En train de gérer le big business. Mais parce que tu ne peux pas comprendre ma musique, tu vends tes fesses, chèvre. Ouais, c'est à Dubaï, mon petit, c'est à Dubaï. Les petites bordels, envoyez les cœurs. Il y a un PD là qui ne fait que signaler mon direct là. Parce qu'il n'aime pas entendre certains mots. On va vous dire ça maintenant, Hoha. Le SDP, syndicat des putes.
Ils vont se lever là, ils vont parler. Jusqu'à on va même croire que c'est les gens qui ont toute la tête, les idiots comme ça. Les gars, j'étais juste pour vous annoncer. Attends, non, je vous montre la dernière salle là. Je vous montre la dernière salle. Parce que là, avant de partir, hein? Vous savez que là, on est dans le dans la communication. Voilà. Vous êtes? Je montre la dernière salle ici. Ouais, je leur montre la salle, le launch 1. Voilà. Vous êtes? Moulongo Oscar. Toujours en place. La salle du bronze. Oui, la sueur du front et non la sueur des fesses. Et non la sueur des fesses. Disons non à la sueur des fesses. Non aux prostituées. À la prostitution, ne trompons pas nos enfants. La vie n'est pas facile, les gars. Battez-vous. Dites non à la prostitution, à la sueur des fesses. Battez-vous. Ne laissez pas les gens vous tromper sur Internet. Internet est truffé de menteurs, de bordels et de bandits. Ne laissez pas les gens vous tromper. Moi, je vous dis la vérité. Ne laissez pas les gens vous tromper. Trop de bordel, de bandits, de proxénètes, ils sont là. Ils veulent vous faire croire que la vie est facile. La vie n'est pas facile. La vie d'un homme n'est pas facile. Un homme doit se battre jusqu'à sa mort. Oui. Donc c'est ce que je vous dis. Et ce que je vais continuer à vous dire, je m'en bats les couilles. Oui, que les bordels ne m'aiment pas. L'amour d'une bordelle a donné quoi à quelqu'un? Allez vous faire foutre. On a construit une école avec l'argent de la bordellerie. On a boudonné une route avec l'argent de la bordellerie. Allez vous faire foutre. Ne trompez pas nos enfants, ne trompez pas les petits frères. Petites bandites, bandits comme ça, les bordels. Allez faire ça à la loin. Vous amenez ça à qui? Le 12. On est dedans. Le 22 avec Moulongo Oscar. Moulongo Oscar.